découvre la phrase du jour. Hein. Moi, je t'offre la rose. On va essayer de lire ça. Mon petit Jackie. Bonjour à tous, c'est le 12e jour de DVDRH et APDPP. Bonjour la voice, ça va? Bonjour Jackie. Bonjour. Tu vois, bonjour Isabelle. Nous sommes, alors, public adoré, nous sommes en pleine forme, n'est-ce pas Isabelle? Oui. Bon, est-ce que tu as bien dormi? Oui. Tu t'es fait réveiller par qui? Par la lumière du jour. La lumière, oui. Ouais. Disons ça, voilà. Voilà. Bon, mais ça s'est bien passé? Oui, mais fort bien. Là, notre première nuit dans cet hôtel merveilleux. Ouais. Alors, je rappelle qu'on est ensemble avec Isabelle, 24 heures sur 24. Voilà. En tout cas, le lit est très moelleux. Oui. Lequel, le nôtre? Le nôtre. Oui. Le notre lit est très moelleux. Voilà. Voilà, c'est Mijida qui a donc gagné une semaine de rêve dans un hôtel au bord du périphérique parisien. La vue est toujours aussi merveilleuse, n'est-ce toujours pas, Isabelle? Encore plus belle aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein, regarde, ce soleil qui arrive comme ça, c'est exactement beau, non? Exactement. Ouais. Le lever du jour, là, sur le périphérique parisien. Ça, c'est la fleur qu'Isabelle m'a offert hier soir pour notre dîner romantique. Alors, on a dîné avec une cuillère par personne, une fourchette par personne. Une serviette par un personne. Verre. Un verre et un couteau. Bon, on s'en est bien sorti. Voilà. Mais quand même avec deux repas, hein, voilà. Je précise. Okay. Voilà. Voilà mon petit. Alors Jackie. Là, on attend le petit déjeuner. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai commandé le petit déjeuner. N'est pas là la voice. Vous pouvez vous en occuper, s'il vous plaît. On s'en occupe, monsieur Jackie. Bah, en attendant, j'ai plein de choses à vous dire. Ah, bah alors on vous écoute la voice. Eh bien, si on veut vous envoyer un message en direct à vous et Isabelle. Oui. Oui. Par SMS, c'est facile, on envoie 6, 35, 36, puis on tape Jackie et ce qu'on veut vous dire. Pas trop fort. Et ça coûte 35 centimes d'euros. D'accord. Et puis alors, nous avons bien sûr le jeu des objets à éliminer. Ah, alors hier. C'est dit que chaque jour, on élimine un objet. Oui. Hein? Hier, qu'est-ce que c'était? Alors hier, c'était le doudou d'Isabelle. Ouais, ça alors, se fait pas. Hein. On suit, la voice, on suit. C'est très bien que les objets. On peut aussi les récupérer, mais ça je vous en parlerai plus tard. D'accord, ok. Puis, pour éliminer les objets, et bien comme hier, deux solutions. Par téléphone, 08 92 780 777. Montre-le Isabelle. Voilà. Je fais bien le panneau. Hein. Tu tombes dans le panneau même. En envoyant objet au 72 0. 72. Ah, oui, c'est ça que t'as dans la main. Ah, c'est ça, je l'ai dans la main. Les objets de ce mardi. Bon, c'est bon. 24 heures. Voilà. Oui. Les objets que vous pouvez limer. Le numéro 1. Limer. Éliminer. Qu'est-ce qu'on peut éliminer? C'est comme moi, éliminer. Oui, allez. Là, c'est pour éliminer. Ah, oui, la voice, allez-y, alors. En 1, oui. La lampe de chevet. Laquelle? Ça va, on va pas trop être perdants. La lampe est claire, oui, la pièce. Oui, elle est très très belle, ça m'ennuierait qu'elle parce disparaisse. Que c'est pas comme celle-là, si vous avez le choix, celle-là ou celle-là, elles sont identiques. Hein. Exactement. Oui. En deux, oui. Les double WC de la chambre. Attendez, les WC de la chambre. Non, mais attendez, oui. Attendez, je vais aller voir. Non, mais attendez là. On peut pas les enlever, je suis désolée. Si, on peut les enlever. Les double WC? Non, mais attendez. On peut les enlever. Vous l'enlevez quoi là? Attendez. Vous voulez ça? Un pot de chambre. Vous voulez enlever les double WC? Oui. Ah, bon. D'accord. Un pot de chambre, non, mais non. Voilà. Et en trois. Très glamour, quoi. On peut enlever une des deux tables et on vous laissera rien du tout. C'est-à-dire une des deux tables, il en restera une alors? Il en restera qu'une. Oui. Il sera encore plus romantique, plus intime. Absolument, la voice. Et vous serez encore plus serré. Est-ce que vous pouvez me montrer le pot de chambre? Oui, s'il vous plaît. Qui va remplacer les toilettes? Ça m'inquiète un peu, la voice. C'est un très très beau pot de chambre. Non, tu peux dans la baignoire, en fait. Voilà. Il est standard. Que vous verrez bientôt. Il est standard? Il est, oui. Oui. Vaut mieux qu'il soit rond. C'est pour 2 à 9 ans, donc je pense que ça devrait aller. Oui. 2 à 9 ans, ça va Isabelle? Oui. Hein? Bon, aujourd'hui, il y a un super programme, on va faire plein de trucs. On va danser, on va chanter. À 18h30, il y a Raphaël Ricci qui va passer nous voir. C'est et sympa. Notre ami Philippette. Ah, Philippette, il vient à quelle heure, lui? Je sais plus. De 13h, voilà. Comme ça, quoi. Ouais. Dans les zones du midi. Bon, donc on attend la visite, et puis plein de trucs, il va se passer plein de trucs. On va s'amuser. Je pense que vous allez assister à une séance de rasage en direct. Oui, et de brossage de dents. Oui, voilà. Je vais me brosser les dents en direct et Isabelle va se raser. Ça va être sympa, non? Je crois que t'as inversé. Ah, c'est inversé, c'est voilà. Inversé. Voilà, d'accord. Donc, Jackie va se raser. Bon, moi j'attends un peu, parce que moi j'ai très faim et très soif. J'ai envie d'un café, j'ai envie de... La voice, que se passe-t-il? Le petit déjeuner n'est pas prêt. Je ne sais pas. Bien, pourtant, vous savez, le service est de premier ordre à ce merveilleux hôtel au bord du périphérique. Oui, mais j'attends. Ben, alors, on attend. Une petite revue de presse ou on a le temps? Oui, on a le temps. On a le temps. Alors, je découvre donc le Parisien ce matin. Alors... Ensuite, première revue de presse, Guillaume Durand ne fait pas ce qu'il veut.
C'est intéressant, ça. Donc, il y a une nouvelle émission de Guillaume Durand ce soir sur la chaîne Préhistorique France 2 à 22h55 qui s'appelle « Face aux Français, conversation inédite ». Bon, on la regardera pas parce qu'on regarde IDF. Enfin, tout le monde regarde IDF, de toute façon. Harry Roselmack dans le piège afghan. Il est parti. Son émission s'appelle « En immersion ». C'est ce soir à 23h15 sur la chaîne Préhistorique TF1. Voilà. D'accord, il est tombé dans le piège afghan, tant pis pour lui, on s'en fout, après tout. Après, il y a Delarue reste, mais en coulisses. C'est-à-dire sa nouvelle. Alors, ça, c'est un scoop quand même. Hein. Ouais. C'est son émission qui s'appelle Toute une histoire. Bah, Delarue reste en régie en tant que producteur. Elle sera donc remplacée par la divine Sophie Davant. Tu vois qui c'est, Sophie Davant? Oui, la blonde. Là. Voilà, la blonde relativement pulpeuse. C'est un peu Sophie d'après. Oui, bah, vous arrangerez avec elle, vous laissez en portable. C'est une amie personnelle. Voilà, donc c'est donc Sophie Davant qui remplace Jean-Luc Delarue à la présentation Toute une histoire. D'accord. Hein, c'est intéressant tout ça. On poursuit. Ah oui, ce soir, par contre là, il y a un truc sympa, c'est une émission spéciale Sylvie Vartan. Ah oui. Ça c'est sympa, sur la chaîne Préhistorique France 3 à 20h35. Ça s'appelle Tout le monde l'appelle Sylvie, il paraît que c'est un espèce de variété un peu doc, c'est sympa. Donc, il n'y a pas d'émission spéciale Linda Lemay là ce soir. Tu veux me faire écouter Linda Lemay? Tiens, vas-y. Mais je t'en fais écouter. On va démarrer là. On a rien fait de mal, monsieur Jacques. Non, il est 9h10. Moi je pense que Linda Lemay au réveil, c'est une gorgée de soleil. Tu m'avais promis que tu serais gentil. Hein, pour bien démarrer la journée, moi je pense que ce serait sympa d'écouter Linda Lemay. J'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Jacques. Que se passe-t-il? Eh bien, votre petit déjeuner. Oui. Il a fait exprès qu'il voulait pas écouter Linda. Hein. Oui. Ah ben voilà, là non? Oui, sur la table. Mets-toi là. Enfin. C'est touchant. Non, j'aime bien quand même manger le matin. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, merci. Bon. T'as vu, j'élimine la lampe déjà. Oh, c'est beau. Vous le regardez un peu? À la télé? Ouais. Hein? Bien sûr, Attendez, parce que vous n'avez pas de micro, il n'y a pas de micro là. Oui, sur si, il y en a un sur. Ah, sur un, on l'entend. Vous le regardez où? Sur la chaîne. Sur EDF1? Non. Exactement, oui. Ouais. Regardez, qu'est-ce que vous regardez comme émission? La mienne, j'espère. C'est la vôtre, mais. Le JJDA? Oui. Vous avez celle-là, il y en a une autre aussi? Oui, oui, vous avez du talent. Vous avez du talent. Voilà. Ouais. Voilà. Je regarde souvent ça. Ah, bah c'est sympa alors. Il est bien. Mais vous chantez? Bah vous pouvez venir, vous voulez pas vous inscrire? Vous dansez? Je veux bien m'inscrire, mais je suis pas professionnel. Non, mais vous avez talent, justement, c'est pas les professionnels. C'est vrai? C'est je peux venir près de vous parce que. Hein? Non, mais vous voulez vraiment venir, hein, vous avez du talent? Ah oui. Ah bah c'est sympa. Avec plaisir. Bah, on va s'arranger. Hein, vous venez, vous vous inscrivez, je vous dirai qui appeler. D'accord. Et vous venez chanter? Très bien, aucun problème. Qu'est-ce que vous chantez comme genre de chanson? Je chante du R&B. Ouais. Pour en faire un petit coup, là, cappella? Ah, c'est le matin, j'aimerais pas trop. Oh, il y en a. Bah, c'est pas le matin, il est 9h15. C'est toujours mieux que Linda Lemay. Oui. Oh, ça va. Hein. Vous composez? Non, je suis. Vous êtes interprète. Je suis interprète, oui. Vous pouvez faire un petit truc comme ça Allez, on pour vous nous, allez. Ouais. Comment vous appelez? Lassana. Bon, alors pour vous, fidèles téléspectateurs d'IDF1, de Dailymotion, du TF1.fr, Lassana, vous allez chanter quoi? Section d'assaut. Section d'assaut, le groupe Section d'assaut? Oui. Ouais, ça marche bien ça. Hein. Comment s'appelle la chanson? Désolé. Bah, ok, bah, allez-y. Deux, trois. Bon, deux, trois. J'ai préféré partir à m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un TV, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens me parlent de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je suis calme, je vais finir par clamser. Ouais! Bravo! Franchement!